Pour vous connecter au Wi-Fi, vous devez repérer le réseau dont le nom correspond à celui qui est sur l'étiquette sous votre Livebox 4. Si vous ne l'avez pas déjà personnalisé ou récupéré de votre ancienne Livebox, ce nom est également inscrit au dos de votre guide d'installation. Choisissez ce réseau dans le menu de connexion Wi-Fi de votre ordinateur ou de votre mobile, puis lancez la connexion. Si votre équipement est compatible WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre Livebox 4. Pour vous connecter depuis votre mobile ou votre ordinateur, choisissez WPS dans le menu de connexion. Au bout de quelques instants, votre équipement vous confirme qu'il est bien connecté au Wi-Fi. En revanche, si votre équipement n'est pas compatible WPS, vous devez composer la clé de sécurité du Wi-Fi. Pas de panique, cette clé est indiquée sur l'écran de la Livebox 4 en appuyant deux fois sur le bouton « I ». Vous pouvez saisir les caractères manuellement ou gagner du temps en flashant directement le QR code. Voilà, vous êtes à présent connecté grâce à votre Livebox 4. Pour retrouver tous les équipements connectés à votre réseau, rendez-vous dans l'interface d'administration de votre Livebox 4 et à tout moment sur l'application mobile MyLivebox. Voilà, vous avez désormais toutes les cartes en main.